Bonjour à toutes et à tous, ici Yael Polaris et bienvenue dans ce premier épisode de Undead Horde. Un jeu sur lequel on va faire un let's play parce qu'il est bien. Le but, on va être un nécromancien, donc cet homme, si c'est un homme d'ailleurs, c'est peut-être un mort-vivant, mais en tout cas il a de la peau, et on va relever des squelettes, et on va devoir conquérir le monde. Donc on va se lancer tout de suite, on va lancer avec Necromance. Le jeu est en early access, donc il se peut qu'il y ait des trucs qui marchent pas bien, ou des trucs incomplets. Le jeu est d'ailleurs disponible sur Steam, mais il est... il est sur Steam, mais il n'est pas encore disponible, vous ne pouvez pas encore l'acheter au moment où je lance la vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, il finira par arriver. Et c'est très bien parce que c'est un jeu où vous jouez un nécromancien qui relève des squelettes et des morts-vivants, et il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors, New Quest, Cryptic Begins. Alors voilà, il y a une poule qui a relevé un ancien Evil, donc... un ancien mal, c'est nous, hein, bloqué depuis des millénaires par une magie. Et je vais pouvoir enfin récupérer le royaume des morts-vivants. Donc c'est cette poule qui m'a réveillé. Et donc elle me tape, bam, je vais lui mettre un coup, je la tue, elle meurt. Et il y a ce petit symbole qui veut dire que je peux la ressusciter. Donc il suffit de laisser appuyer sur R et par ça ressuscite ce qui est autour de vous. Et vous avez un cooldown pour pouvoir ressusciter à nouveau, et vous avez un petit temps d'accord. La poule est morte, longue vie à la poule. Voilà, donc désormais j'ai une poule, alors je peux pas zoomer, mais si vous regardez bien, c'est une poule squelette. Il manque le milieu de la poule qui est en os. Voilà, donc c'est une poule, et je peux lui demander, parce que là je peux pas passer moi-même, je peux lui dire, vas-y poule, attaque. Et quand vous demandez d'attaquer, vos bestioles attaquent, vont tout droit et attaquent tout ce qu'elles trouvent. Et ensuite, vous pouvez, toujours avec espace, rappuyer pour les faire revenir en arrière et les faire vous entourer, de manière à vous protéger. Et puis à pas rester en arrière. Magic. Voilà, il y a des squelettes un peu partout qui traînent. Et donc Magic nous dit que les humains ont mis des squelettes dans ces cages. Après avoir nous avoir mis dans l'urne, mais c'est bien, ils ont l'air d'avoir oublié depuis longtemps ce qui était à l'intérieur. Pour commencer la conquête, il faut sauver le gardien de la crypte. Il est pas très loin, trouvez-le et lancez une révolution. Donc là, on a des tombes. Alors ce qui est spécial avec les tombes, c'est que quand vous appuyez, ça raise instantanément tout ce qui est dans les tombes. Et voilà, vous n'avez pas de temps d'incompte. On voit également, alors ça c'est le didacticiel, je vais vous le passer vite fait, parce que moi j'ai déjà bien joué au jeu, là j'ai lancé une nouvelle partie pour vous montrer. Ici en haut à gauche, vous avez votre vie en rouge, votre mana en bleu, c'est pas hyper original, donc on connaît bien. Et vous avez ici votre jauge de commandement, donc le petit segment là c'est la poule, les autres segments c'est des squelettes. Et grosso modo, si vous arrivez au fond, vous ne pouvez plus ressusciter plus de morts-vivants. Là, regardez, je peux encore le faire et ça va monter. La jauge ici, bam, bam, va monter. C'est des gros squelettes, c'est des squelettes qui coûtent plus cher. Et donc, ils prennent plus de place. Parce qu'ils sont meilleurs, tout simplement. Voilà, vous pouvez... Alors, vous avez des trucs à casser, hein, évidemment. Vous pouvez demander aussi à vos bestioles de le faire à votre place. Et ça vous loot des trucs plus ou moins intéressants. Alors, et vous avez une flèche ici. Alors, vous avez votre mini-carte, je vais vous parler quand même vite fait de l'interface du coup. Vous avez votre mini-carte en bas qui vous dit qu'il reste 5 soldats. On va les attaquer, ils sont là. Il reste 5 soldats dans la partie et 0 maison, parce qu'il peut y avoir des maisons qui génèrent des personnes. Là, je vais les rappeler. All living slain, donc tous les vivants sont morts sur cette carte. Donc ça nous le dit quand c'est le cas. Et à part pour celle-ci, ça nous donne des bonus qu'on pourra échanger au... Crypt Keeper, justement. Donc vous pouvez ouvrir la carte du monde, évidemment. Donc là, on est sur une partie, c'est le tutoriel, mais après, on suit ici des routes, et le but, c'est d'aller jusqu'à la citadelle. Voilà. Donc, on va parler au Crypt Keeper. Oh, merci merci à Lucifer que vous soyez venu. C'est l'équivalent de Dieu merci, vous êtes là, c'est Lucifer merci, vous êtes là. Cette cage était vraiment inconfortable. Paradès, quittons cet endroit. Et donc on se retrouve à la crypte,
qui va être votre base. Où vous avez votre, la fontaine, ici, une fontaine de sang, vous pouvez l'utiliser à tout moment pour récupérer votre vie à fond. Voilà, vous pouvez la réutiliser, mais de toute façon, quand elle monte à fond, il n'y a pas besoin de l'utiliser plusieurs fois. Le Crypt Keeper nous parle, donc on va lui parler. Bien, vous pouvez commencer à relever les morts. Les vivants vont payer pour ce qu'ils ont fait. Soignez-vous, relevez quelques paysans, et en utilisant les statues d'invocation. J'ai perdu de la vie, donc on va vous montrer. Hop, regardez, hop là, ça remonte. Voilà. Et donc, pour les statues d'invocation, vous voyez ici, il y en a deux qui sont actives. C'est les, si je me rapproche, paysans, des humanoïdes de mêlée, et les paysans énervés. Et vous voyez que là, c'est une femme avec un rouleau à pâtisserie, et là, c'est un homme avec une fourche. Et donc, ils ont des différentes stats. Ils sont tous les deux à 7, là, en command value, donc la valeur de commandement, donc ce qui va remplir votre barre. Par contre, la femme fait un petit peu plus de DPS, mais elle a un peu moins de points de vie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Voilà, ça nous explique. Bon, les clichés, je vais vous les passer. Hein. On va en prendre la moitié de chaque. Vous pouvez laisser appuyer pour remplir, parce qu'au bout d'un moment, vous pourrez vraiment en avoir beaucoup. Et ensuite, vous avez plein d'autres choses, comme par exemple la chicken. Donc là, par exemple, vous voyez qu'il y a une command value de 2 seulement, donc ça me permettrait de remplir ce qui me manque en commandement. Un DPS de 4, c'est nul par rapport aux paysans. Une attaque speed, des points de vie de 10, c'est nul par rapport au commandement, c'est 10 fois moins. Mais ça a moins de... Ça a des avantages quand même. Par contre, vous voyez, il est marqué 1 sur 25 là à côté. Ça veut dire que j'ai tué une poule et il faut encore que j'en tue 24 pour arriver à 25 pour pouvoir les invoquer ici. Pareil pour les ours, il faut que j'en tue 8. Voilà, et c'est vrai pour tous. Alors il y a aussi des chevaliers par exemple, ou des choses comme ça. Des clercs, des géants, voilà. Donc tout ça, il faut que j'en tue pour pouvoir les relever ici. Sinon je peux les relever sur le champ de bataille, mais je peux pas les invoquer directement depuis chez moi. Alors, j'ai fini une quête, donc je gagne de l'argent, c'est ce que vous avez vu qui a sauté. Bienvenue, contactez mon frère quand vous aurez atteint la surface. Bonne chance dans votre conquête. Voilà, 50 d'or et 150 d'XP. Les vivants doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Le village de Kinahmo sera notre première cible. Et là-haut, je vous ai parlé de l'interface. Là-haut, vous avez votre inventaire. Pour le moment, je ne vais pas trop en parler parce que je n'ai qu'un objet dedans. Mais vous verrez que ça se remplira au fur et à mesure. Donc ça, c'est la crypte, c'est de là-haut d'où on vient. Donc là, vous voyez qu'il y a 40 personnes sur la carte, 5 maisons. On les voit sur la mini-carte, hein, c'est les 4 là et... Il y en a une autre, mais c'est parce que aller par là... Mais en fait, ces maisons-là, c'est les maisons qui créent des gens. Et celles qui sont pas indiquées, c'est juste des maisons comme ça... faut détruire, mais qui ne crée pas de nouvelles troupes. Voilà, vous pouvez aider évidemment vos morts-vivants à tuer les gens, hein. Là, vous voyez que j'ai aidé à taper, vous faites plus mal qu'eux. En tout cas, au début c'est sûr, après on verra. Orna, bonjour. C'est le... l'emprisonnement du Crypt Keeper doit être fangé. Détruisez ces pathétiques villages pour savoir que vous êtes de retour. Voilà. On a entendu une corne. Quand on entend la corne de brume, ça veut dire qu'il y a des vivants qui sortent de... qui sortent d'une maison. Ah, vous voyez, ils sont 34. Voilà, ça sonne, ils sont 30. Voilà, on va les tuer tranquillement. Et il faut savoir quelque chose d'important aussi, c'est quand vous tapez une maison, elle arrête de produire. Pendant que vous la tapez, là, il y a un petit cercle. Voilà, le cercle ici. Quand vous tapez dessus, vous voyez, il y a une petite croix qui dit que ça arrête de fonctionner, ça arrête de se recharger. Et si vous arrêtez de taper pendant quelques secondes, le cercle reprend et la vie de la maison remonte. C'est important aussi. Vous pouvez pas poncer la maison petit à petit et si vous êtes, s'il y a trop de monde, bah c'est gênant. Alors, je viens de looter une faux et une dague. On va mettre les faux de côté parce que j'aime vraiment pas du tout comment ça fonctionne. Mais on va regarder la dague. Vous voyez que ici, la dague, elle a 1 DPS. En dessous, on voit le nombre de dommages et la vitesse d'attaque, hein, qui calcule le DPS. Comme c'est blanc, ça n'a pas d'avantage particulier. Ça a le même DPS, mais je vais prendre la dague parce qu'elle tape plus vite. Et du coup, je préfère, comme de toute façon, je n'attaque pas de personnes qui sont... qui ont de l'armure, autant taper vite. Oh, on va taper, on va essayer de pas se mettre devant, voilà, plus de coups.
Vous n'avez pas moyen de vous soigner naturellement, il faut trouver des fontaines de soins. Alors il y en avait une juste en dessous, donc je vous montrerai comment elle fonctionne. En avant. Alors par contre, ils tapent le premier truc qui passe, donc vous voyez, il y a une maison là qui va créer des nouvelles troupes. Mais ils vont taper le puits d'abord, parce que le puits est en première, enfin est avant, sur le chemin. Même s'ils tapent quand même, vous venez de le voir, les humains d'abord. Évidemment, c'est plus important quand même de tuer les vivants qui leur tapent dessus, que de taper des bâtiments ou des tonneaux. Vous voyez qu'à chaque fois qu'ils meurent, j'en relève d'autres, et c'est ça qui est bien dans ce jeu. C'est que du coup, vous avez une armée qui se reforme au fur et à mesure du meurtre des ennemis. Alors pour le moment ça paraît hyper simple parce que je peux les gens j'en tue plus que je n'en relève, mais je peux vous assurer qu'il y a un moment particulier de la partie jusqu'à présent que j'ai fait, j'ai joué à peu près 3 heures, il y a un moment où j'ai bien galéré. Voilà, j'ai gagné un level, laisse-moi tranquille. Je relève des squelettes parce que j'avais quasiment plus personne. Je leur demande d'attaquer. Vous voyez donc bien la barre bleue qui monte, hein. Si vous avez vu, elle devait être sur l'écran quand ça a sonné et qu'ils sont sortis. Et les deux qui manquent. Voilà. Sachant que quand je leur demande d'attaquer à chaque fois, vous voyez que... Ah, ça y est, ça a changé de couleur, tous les vivants sont morts. Et quand tous les vivants sont morts, vous gagnez ceci. C'est un parchemin qui indique que tous les vivants sont morts. Et quand c'est fait, vous allez voir... Le Crypt Keeper, et il vous donne une récompense, un objet, tout simplement, de l'inventaire. Voilà. Alors, le niveau, on va regarder quand même ce que c'est. Quand vous avez gagné un niveau, vous avez ceci, en appuyant sur Tab, vous pouvez choisir d'augmenter votre personnage principal. Vous pouvez choisir une des trois cartes, l'Empereur, le Magicien ou l'Ermite, mais c'est pas forcément celle-là, ils ont des noms différents. Ce qui est important, c'est de regarder ce que ça monte. Ça monte un peu de tout, celle-là elle monte pas les dommages, mais ça monte un peu toutes les stats. Mais il y a des stats qui sont plus montées que d'autres. Là vous voyez que je gagne 17 de mana avec celle-là, 25 avec celle-là, 126 avec celle-là, ce qui est un gros delta. Et donc c'est indiqué en vert pour dire cette carte montera surtout la mana, celle-là surtout la vie, et celle-là les dommages et le niveau de commandement. Moi personnellement je monte que le niveau de commandement, parce que je veux plein de squelettes, ou des squelettes super forts, mais en tout cas je trouve que c'est vraiment ce qui est le plus intéressant dans le jeu. Vous pouvez vous spécialiser en étant vous fort, mais c'est pas pour ça que je joue un jeu de nécromancien, donc je vais monter quasiment que le commandement, je pense, de toute la partie. Beau travail. Je peux sentir les ondes mort-vivantes à nouveau. Enfin, déjà. Voilà, il y a un commandant qui est captif au sud. Vous devriez aller le chercher. Ok, donc là on peut y aller. Pour conquérir le monde, vous aurez besoin d'un ancien réseau de tunnels. Il n'est pas encore actif, mais ça va se résoudre. Alors on va rentrer dans la crypte avant. Pour vous montrer justement, je vais parler. Ah non, c'est pas le Crypt Keeper à qui il faut donner le parchemin, donc je ne peux pas encore vous le montrer. C'est à la personne qu'on va aller libérer maintenant. Alors les cartes passent très très vite au début parce qu'on est très proche, mais vous voyez, je suis là à Kinamo, Yama, Citadel. Vous pourrez faire pause si vous voulez, on verra un peu mieux la carte plus tard. Voilà, on va parler à Styx. Alors Styx, c'est moi qui maintenais le réseau de tunnel, je vais appeler ça un réseau de tunnel, mais en fait c'est une téléportation, voilà, vous pourrez appeler ça des... je sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais les vivants ont volé les pompes, un cœur géant enchanté, enfin un cœur enchanté de géants. Le commandant pourrait nous aider, vous devez le libérer, on va de coup tout... Oh tiens, il y a un coffre. Alors les coffres, vous pouvez les ouvrir, voilà, et vous avez quelque chose de bien. Là j'ai eu une masse bleue, parce qu'il y a des... il y a blanc, vert, bleu et jaune, je crois. Comme dans beaucoup de jeux vidéo, il y a des raretés. Et donc là, en plus d'être... Oh, il n'y a peut-être pas vert, ceci dit, je crois que ça peut commencer à bleu, bref... là j'ai donc ça fait 103 de DPS, un peu plus, ça tape beaucoup moins vite, par contre ça tape deux fois moins vite que la dague, mais je gagne 7 de mana quand je frappe une créature vivante, donc je vais le prendre
pour le moment j'ai pas besoin de mana, mais comme ça fait plus de DPS, c'est quand même plus intéressant. Voilà, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus lent. Voilà, on tape, on tape. Là, je vois qu'il commence à y avoir beaucoup de crânes, ça veut dire que j'ai perdu beaucoup de personnes, donc je vais les réanimer. Il faut savoir que si jamais vous perdez toutes vos créatures, ou si jamais vous tombez à un point de vie, vous avez un bouclier temporaire qui s'active, qui vous rend invulnérable. Ça vous laisse le temps de fuir, mais ça dure que quelques secondes, donc il faut vous dépêcher de l'utiliser. Voilà. Hop, on va relever avant de lancer notre combat, et c'est parti. On va taper un peu tout le monde, parce que comme on tape très lentement... Ah, j'ai oublié de vous montrer la fontaine de soins. C'est pas grave, il y en a une là. Et il me manque encore un peu de temps. Hop, on détruit tout ça, boum boum boum. Alors, la fontaine de soins, c'est ça. C'est tout simplement une petite fontaine de soins, c'est-à-dire que là, je suis pas full vie, je l'utilise, je suis full vie. Mais il n'y a plus de soins. Un peu comme dans Diablo, tout simplement. Et elle ne se rechargera que si vous quittez la zone et que vous revenez dans la zone. Voilà, on va continuer. On va aller faire la mission. J'ai pas fini d'explorer la carte, hein, mais c'est pas grave, on va faire la mission en priorité. On peut de toute façon revenir sur toutes les cartes en permanence. On peut se balader librement dans le monde. Donc c'est pas un problème. Et puis, de toute façon, là, je suis parti dans un cul-de-sac, je serai obligé de revenir. Donc c'est pas gênant. Là, vous voyez qu'il y a des archers, donc je vais commencer à tuer et à relever des archers. Et donc, je vais bientôt pouvoir en invoquer quand j'en aurai tué assez dans ma crypte. Et sinon, bah là, j'en ai déjà quelques-uns. Je regarde si j'en ai sur mon écran, mais non. Ouais, voilà, bon. Lui, il me dit pas grand-chose d'intéressant. On va continuer. Voilà, je vais relever ceux-là en particulier. C'est... des archers, et donc vous voyez j'ai des petits archers squelettes maintenant qui tirent sur les gens, donc c'est intéressant de pouvoir relever des gens qu'on ne peut pas invoquer dans la crypte, parce que comme ça et bah comme ça on a des créatures mieux. Dead Friends, il y a un autre personnage ici, c'est drôle, dehors j'étais un homme honnête, droit comme une flèche, bon c'est une expression anglaise. Et il a fallu que je vienne en prison pour devenir un malfrat. Ça, hop, c'est fermé. Voilà, il y a des portes qui sont fermées de temps en temps. Il faut trouver un moyen de les ouvrir. En avant! Donc là, on a une flèche qui nous dit d'aller par là. Parce que le gars de la prison est là. Mais si j'essaie d'ouvrir, c'est fermé. Donc, c'est pas parce que la flèche nous indique que c'est là qu'il faut forcément suivre la flèche bêtement. Des fois, il faut... trouver par exemple un levier qui permet d'aller, ça va pas indiquer le levier, ça va bien indiquer l'objectif. Commander. Ah, enfin, quelqu'un est venu faire quelque chose. Je suis dans cette cage depuis des centaines d'années. J'ai réussi à cacher la pompe avant qu'il ne me capture. Emmenez-la à Styx et rejoignez-moi à la crypte plus tard. Alors moi je dois me téléporter, j'ai le cœur dans la main. Moi je dois me téléporter en utilisant des réseaux, mais eux ils se téléportent directement. Voilà, je viens de récupérer deux trucs, c'est jaune, vous voyez, donc c'est une meilleure couleur, donc c'est blanc, bleu, jaune. Je peux gagner 7 de mana à chaque fois que je touche, donc pareil, mais en plus, ça reset les cooldowns des staffs, et enfin des bâtons du coup, et des anneaux, quand je fais un critique, mais j'ai ni l'un ni l'autre, et ça fait plus 4% de chance de critique. Et les unités font 42% de dommages en plus contre les bâtiments. Donc je vais prendre ça. Alors par contre le marteau c'est ce qui tape le moins vite. Je suis à 0,7 coups par seconde. Mais c'est pas grave parce que du coup toutes mes unités feront plus mal aux bâtiments. Donc ils les détruiront plus vite. Et donc l'arme me servira grosso modo de soutien. Voilà, on va finir d'aller parler à Styx quand même. Allez, on va même parler au commandeur. L'épisode fera un petit peu plus de 20 minutes cette fois, mais on aura bien avancé comme ça. Ok, laissons le sang couler. Voilà, et il me dit testez-le pour aller à la crypte. Donc voilà, donc une fois que vous avez ça, c'est des réseaux de téléportation, tout simplement, c'est des stèles de téléportation, si on veut le rapprocher de Diablo par exemple. Voilà, ça c'est le didacticiel. Et je peux me rendre partout où il y a ces symboles de stèles. Donc là pour le moment il n'y en a que deux, mais vous verrez, il y en aura plein partout après.
Et donc si je clique, la petite tête se déplace et je me téléporte directement au bon endroit. Voilà, je vais pouvoir parler au commandeur qui va me dire bien joué, j'ai préparé un objet puissant pour vous. Voilà, il va me donner un objet, un bâton. Je vais vous montrer ce que c'est. Alors, le mâle ancien doit trouver sa voie vers le sud pour continuer sa conquête. Un mur se tient sur la route et il faudra récupérer une clé sur un ennemi dangereux pour pouvoir passer. Alors, il m'a filé ça. Bon, c'est bleu, c'est pas ouf puisque j'ai un truc jaune. Et ça fait pas plus de DPS, donc je vais le laisser de côté. Le bâton, par contre, je vous le montre. Commander Stick. Le bleu, c'est ce que j'avais moi. N'importe quoi, ce que je dis. Ça permet de lancer une boule de feu. Ça met les ennemis en feu et ça me donne comme bonus plus 42 de capacité de mana. Et si je fais un clic droit, voilà, ça lance une boule de feu. Donc ça s'accélère la mana, c'est à utiliser le bâton. Et il y a un cooldown, vous voyez, dessus. Quoi d'autre? Si je lui parle, il me donne rien parce qu'en fait il m'a donné l'objet à cause de... Il y avait un trou ici, c'était mon petit parchemin, comme je vous avais montré. Et quelque chose d'intéressant, j'ai 622 d'or. Si je fais CTRL-CLIC sur les objets, vous voyez, ça les détruit et ça les vend. Et en fait, mon argent monte. Voilà, hop, 1128, 1568. Donc voilà, j'ai plus d'objets parce que votre inventaire est limité à ce nombre de cases. Donc vous avez pas beaucoup, hein, vous avez 12 cases, 3 x 4. Donc vous n'avez que 12 inventaires possibles. Voilà, vous pouvez pas trop en garder. Et la fontaine de soins remonte votre mana. Et voilà. Et donc on va s'arrêter là cette fois. La prochaine fois, on retournera parler à Styx. Et on continuera la mission, on continuera le jeu, le let's play, et vous allez voir, ça va être assez long, parce que le jeu, malgré le fait qu'il soit pas disponible sur Steam, encore, il est considéré trop tôt, apparemment, par les développeurs, pour être publié sur Steam, il est, je trouve, très complet, il est très long, donc on va en faire un let's play, et ma foi, c'est très intéressant, j'aime beaucoup ce jeu, voilà, je le dis, parce que ça va me faire très plaisir de faire ce let's play. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.